c'est compté. Parfait. Oula. J'ai failli faire une grosse connerie. J'ai failli faire une espèce d'effet levier sur le portable, il a failli valdinguer. Tu sais, il était sur le bord, et j'ai la paume de ma main qui a voulu s'appuyer par réflexe sur le bureau, mais là où il y avait le portable. Donc le portable, il aurait fait une espèce de tremplin, une espèce de multi-salto arrière avant d'atterrir sur le sol. À mon avis, il aurait pas aimé. Donc c'est parti. On reprend Orwell, là où on s'était arrêté. Donc on était rendu au troisième jour de service, on allait le commencer. Donc Hideyoshi Tenko, le vieux, le vrai. Alors, on va pouvoir reprendre. Alors, ça nous avait dit de nous concentrer sur je ne sais plus. Je ne sais plus. Par contre, c'est fort dans mon casque. Ça va au niveau de la musique par rapport à ma voix ou pas? Si, on m'avait dit de me concentrer sur Nina, parce que c'est la personne sur qui on en sait le moins. On sait juste qu'elle est en contact avec Harrison O'Donnell, qu'elle déteste les forces de l'ordre, qu'elle voulait attaquer un centre commercial pour la première manif de pensée. Alors, attaquer, c'était un mot qui nous avait fait tiquer, parce qu'on savait pas si c'était attaquer dans le sens, tu sais, quand tu t'apprêtes à bosser sur un truc et tu dis « Allez, on attaque !» Ou si c'était genre « On va juste faire une manif, quoi. » Mais c'est vrai que ça prête à confusion en sachant que on a trouvé une bombe là-bas et qu'on a réussi à la désamorcer grâce au choix que vous avez fait dans les sondages. Elle a loupé un événement pour penser, l'organisation d'un événement pour penser. Ça, c'est un de ces pseudos sur internet inquiète. Et ouais, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait vraiment pas grand-chose sur cette personne. Hein. Donc on va essayer de se renseigner. Déjà, allons voir les actus de la journée. Ainsi, il y a du nouveau. Sortie de film menacée par un procès. Ok, on va lire un petit peu toutes les news. Sortie de film menacée par un procès contre le réalisateur Ilberry. Le réalisateur Aran est attaqué par les acteurs principaux pour rupture de contrat. La post-production de la troisième partie de Nuances d'ombre est en suspens jusqu'à nouvel ordre. Ouais, c'est 50 nuances de gris. La parodie, quoi. Le 15 avril 2017, donc aujourd'hui, le réalisateur Aran est attaqué par les acteurs principaux pour rupture de contrat. Nanana, c'est la même chose, est en suspens jusqu'à nouvel ordre. Le film risque de ne pas sortir le jour de la Saint-Valentin, comme prévu à l'origine. Bonsoir, Jordan. Tenko qui veut faire des expériences. Non, ça va. Le pauvre portable, quand même. Les relations entre les acteurs et le réalisateur excentrique Sumishi Aran, à droite, ont toujours été tendues. Image de Rhubarb Productions. C'est vrai qu'ils ont ce nom de merde, quoi. Rhubarb Productions, quoi. Ça doit être des potes à l'entreprise casse-couilles, ça, à tous les coups. Ilberry. L'attente est bien longue pour les fans de la saga Nuances d'ombre. Le dernier acte de la trilogie a déjà été reporté plusieurs fois pour tout un tas de raisons, et une nouvelle menace de retard bien réelle semble s'ajouter à la liste. Rhubarb Productions, le studio à l'origine de 100 Nuances d'ombre, a annoncé aujourd'hui que la post-production était suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'arrêt serait dû à un procès en cours à l'initiative des acteurs principaux, Mike McDill et Betty Avon, contre le réalisateur Sumishi Aran, qui aurait rompu une clause du contrat. L'accord stipulait clairement qu'aucune image du film ne devait être rendue publique sans le consentement explicite des deux acteurs, ce qui n'a pas été le cas de cette affiche retouchée qu'Aran a partagée sur internet jeudi. Un acte qui met en péril la sortie prévue pour la Saint-Valentin. Ça aurait pu être Cum Production. Ouais, bah ouais. Pour un truc comme à la con comme ça en plus. Les fans se réunissent sur internet, partagent des théories selon lesquelles le procès et autres motifs de retard ne seraient que des excuses pour couvrir l'état désolant du film.
Ah, très bien, très bien. Du coup, le profil Timeline. Donc Timeline, je rappelle pour ceux qui débarquent que c'est l'équivalent de Facebook dans cet univers. Donc le profil Timeline de Rhubarb Productions a été bombardé de messages furieux de la part des fans enragés à la recherche d'une réponse. En attendant, une annonce apaisera les esprits. MacDill et Avon ont annoncé sur leur site internet respectif qu'ils ont résolu leur conflit et qu'ils forment à nouveau un couple épanoui. Voilà. Bon, rien d'important pour notre enquête, mais c'est toujours rigolo de voir les petits éléments de background comme ça. L'opinion nationale, soyez aux aguets. Donc ça, c'est la photo d'Harrison O'Donnell, un de nos suspects, hein, qui est un nouveau chroniqueur, qui est chroniqueur en tout cas depuis quelques temps, chez ce journal, qui est, TNB, mais je sais plus ce que ça veut dire TNB déjà. The National quelque chose. The National Beholder, je crois. Et qui, je le rappelle, est un journal qui est quand même assez pro-gouvernement, alors que c'est censé être un mec qui a des attitudes anti-gouvernement, à la base. L'opinion nationale, soyez aux aguets. Le chroniqueur Harrison O'Donnell médite sur l'article de la semaine dernière et incite les citoyens de la nation à se montrer courageux face à la terreur. Le chroniqueur Harrison O'Donnell médite sur l'article... Non, ça, ok, ça, c'est la même chose. Ah, puis en plus, il y a des infos à récupérer, très bien. Clarifions tout de suite les choses. Je me sens mal, je me sens complètement con, et à juste titre. Ah oui, parce que il avait sorti un texte dans un des articles précédents, genre du 9 avril, comme quoi... oh là là, ça se trouve, il va y avoir une bombe qui va péter dans pas longtemps, et ce sera bien fait pour votre gueule. Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça. Et comme par hasard... Quelques jours après, il y a une bombe qui explose. Donc du coup, c'est bizarre. Et du coup, il écrit un article là-dessus. Dans l'article de la semaine dernière, j'ai parlé d'une bombe qui exploserait dans Bonton ou Farview pour promouvoir mon point de vue. Je demande sincèrement pardon à tous ceux qui sont touchés par ces terribles événements. Si vous ne vivez pas dans une grotte, voire dans un puits sans fond, vous devez savoir que c'est exactement ce qui s'est passé. On a largement dépassé les phrases moralistes tel que je vous l'avais dit. Grâce aux efforts du gouvernement et à la loi sécurité, le dernier attentat a été évité. Enfin ! Une bonne fessée pour les terroristes. Naturellement, il existe toujours des questions critiques. Comment de tels actes ont-ils été possibles alors que l'on dispose de toutes ces caméras de surveillance et mesures de sécurité ? Pourquoi dépenser tant d'argent dans des mécanismes qui ne protègent pas vraiment nos vies ? Pourquoi aucun suspect n'a été appréhendé, voire même enfermé ? Mais ces questions négligent un fait. Ces connards de tueurs sont parmi nous. Ce sont nos voisins. Ils sont comme vous. Ils sont comme moi. Bon, ils ne me ressemblent probablement pas. Il est difficile pour les caméras ou autres systèmes automatisés de reconnaître des criminels ou terroristes avant que le crime ne soit commis. Ils ne peuvent pas fouiller les maisons et encore moins scanner l'esprit des passants. Heureusement. Nous, peuple de la grande nation, nous devons être, de plus en plus vigilants. Nous devons défendre notre sécurité avec les mécanismes de sécurité high-tech, puisqu'ils ne fonctionnent qu'en complément de notre propre perception. Ne vous laissez pas intimider. Ne reculez pas devant des enfoirés qui pensent pouvoir nous gâcher la vie et signalez immédiatement tout ce qui semble suspect. Je vais y arriver. Vous le devez à notre communauté, mais surtout à vous-même. Propos inconsidérés, bateau terroriste coulé. Métaphoriquement. Alors, on a là des infos par rapport à notre ami Harrison O'Donnell. Donc là, on pourrait relever, il a prédit, entre guillemets, les attentats pour promouvoir le point de vue de sa rubrique. Il condamne les attentats de Bonton. Et mesures de sécurité pro. Et il demande au peuple de prendre en main sa propre sécurité. Alors, c'est assez bateau effectivement, Benjamin.
C'est assez bateau ce qu'il dit, c'est un petit peu l'article pour se justifier parce qu'il a dit un truc et comme par hasard c'est arrivé. Ça peut être un hasard, hein. Ça se trouve il a rien à voir avec les bombes, hein. On sait pas. Même si c'est un de nos suspects et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est troublant. Mais c'est aussi troublant. Est-ce qu'un mec qui a l'intention de faire un attentat, il va en parler dans le journal, dans un journal que tout le monde lit? Genre, c'est le meilleur moyen pour qu'il attire l'attention sur lui, alors que s'il a envie de faire péter des bombes, bah, il va peut-être pas le faire, quoi. Il va peut-être pas se montrer publiquement pour dire que ça va péter, quoi. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on relève ces choses-là qui apparaissent dans le journal? Parce que c'est de la justification à la con, hein, c'est sûr. Mais en même temps... ce serait peut-être plus intéressant de le croiser avec un autre fait qui le soupçonne. Genre, en fait... Ouais, je vois... Bah, en fait, du coup, ce serait intéressant de le garder. Parce que, du coup, si on trouve des trucs qui rentrent en contradiction avec ce qu'il a dit publiquement, ça va d'autant plus l'enfoncer, en fait. C'est-à-dire que, genre, s'il dit ça publiquement dans un journal, mais que derrière, je sais pas, sur sa messagerie perso, il envoie des messages à ses potes et il dit « Putain, bien fait pour leur gueule », là, ça va complètement l'enfoncer à mort. Alors que si on prend même pas le temps de relever qu'il dit des âneries publiquement, au final, ça va l'enfoncer quand même, mais ça aura peut-être un impact un petit peu moindre. Là, ça peut montrer le côté faux cul de la personne, tu vois ce que je veux dire? Donc on va le garder. Une étrange façon de soutenir son argumentation. C'est tout de même étrange qu'il ait mentionné les bombardements avant le drame, mais bon. Et on va parler de ça aussi, bien sûr. Il a raison. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous sommes tout de même l'œil vigilant de la nation. Bon. Et ça, du coup, ça c'est grâce à moi. Les enquêteurs évitent une catastrophe dans la galerie The Circle. Un troisième attentat dans la galerie Bonton a été évité grâce aux enquêtes de la Croix atteste ses efforts. La galerie The Circle à Bonton ce matin, bouclée, mais saine et sauve. Bonton. Une fois encore, une attaque terroriste attire l'attention sur la ville de Bonton, mais cette fois-ci, elle s'en est sortie indemne. Grâce aux efforts de l'unité d'intervention spéciale, la dernière des trois attaques annoncées précédemment a pu être évitée. La scène de crime suggérée était la galerie The Circle, située dans le centre de Bonton. Elle a été fermée par les forces de l'ordre hier soir, quelques instants après que l'équipe d'investigation a réussi à localiser correctement l'emplacement visé par les terroristes. Catherine Delacroix, la ministre de la Sécurité, a tenu une brève conférence de presse. Elle a déclaré que la prévention réussie de l'attentat prouve que les mesures de surveillance et d'investigation fonctionnent. La recherche des auteurs d'actes criminels aussi infâmes sera la priorité des détectives qui ont plusieurs pistes sérieuses. HOD, donc ça doit être Harrison O'Donnell, qui a dû écrire cet article. Bon, là il n'y a rien de particulier, mais bon, voilà. Utilisateur Hancock, ok, alors... avant de retourner là-dedans et essayer d'en voir davantage, on va regarder ce qu'il y a dans l'auditeur. Il y a un mail. Avec en sujet un petit cœur. Un mail envoyé à Harrison O'Donnell d'une personne inconnue. Hello! J'ai oublié de charger mon téléphone ce soir. Et tout. Donc je vais devoir faire ça à l'ancienne. Je voulais vraiment te remercier pour cette super soirée. Petit cœur. Je m'étais pas autant amusé depuis... jamais, en fait. Et cette nuit était encore meilleure. J'espère que tu passeras au CCC pour venir me chercher ce soir. On pourrait cuisiner ensemble, regarder un truc, et qui sait, reprendre là où on s'était arrêté. Ça te tente?
C'est marrant, je viens de capter que j'ai jamais été chez toi, alors qu'on se connaît depuis des années. Du coup, je me demande si tu ne caches pas une autre amoureuse là-bas. Probablement ton ex, celle dont tu parlais très souvent quand j'étais dans le coin. Ou cette fille qui est toujours en train de beugler à quel point elle déteste la loi sécurité. Nina, je crois. Ah ah! Maintenant que j'y pense, tu m'es redevable pour toutes ces souffrances, et j'exige qu'on aille chez toi. Ton amoureuse, Marca. PS, si tu vas dans le centre-ville aujourd'hui, s'il te plaît, fais attention à toi. Alors j'ai quand même une question légitime. Qui, en 2017, envoie des mails à son petit copain? Je sais pas. Ouais. Quelle est cette dame qui envoie des mails à son petit copain? Genre, elle peut pas utiliser un logiciel de messagerie basique. Bon, enfin bon. En tout cas, ça nous donne un indice sur Nina. S'oppose à la loi sécurité avec véhémence. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais on va le noter. C'est une information supplémentaire. Elle aime pas la messagerie. Elle nous emmerde. C'est une vieille grand-mère. C'est pour ça, en fait, qu'il lui a acheté des fleurs. Il est en mode vieux jeu à mort. Enfin, je suppose que c'est elle qui l'a acheté les fleurs, ce serait totalement logique. Mais il me semble pas que ça ait été forcément indiqué, mais voilà. C'est ma conclusion en tout cas. Pourquoi s'opposer à la loi sécurité? On a le taux de criminalité le plus faible de ces dernières années, voire de l'histoire. Toi et moi, on a un boulot grâce à la loi. Si on ne l'approuve pas, c'est qu'on a un passé trouble. Étant donné que la situation est déjà tendue, je pense qu'il faut surveiller étroitement cette personne. Il nous faut un examen complet, d'abord des antécédents concrets. Qui est-elle? Ensuite, qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qu'elle veut? Et enfin, pourquoi elle était présente lors des bombardements? Japonaise... Je sais pas, personnellement, Mickey, je la vois pas utiliser des mails pour parler à ses potes, hein. Elle utilise des logiciels de messagerie. Genre, elle utilise Line et des trucs comme ça, quoi. Alors, je pense que c'est toujours buggé. L'accès à la liste des élèves n'a pas forcément de sens, à mon avis. À moins qu'il y ait un truc, hein, mais... Parce que après, ce serait par rapport à Abraham... Je sais même pas si je suis sur le bon truc, là. Faudrait qu'on trouve le nom, un nom Nina, en fait. Mais elle a dit qu'elle n'était pas étudiante, en fait, je suis en train de me rappeler. Donc du coup, ça serait pas logique qu'on la voit là-dedans. À moins que ce soit une ancienne étudiante. Et dans ce cas-là, il faudrait remonter à 2015. Ouais, mais 2015, il était pas encore là. Il y a juste le semestre d'hiver 2015-2016. Dans les médias... Goldfell Abraham. Non, je trouve pas Nina dans la liste d'élèves. Là, je vois pas trop ce que je peux apprendre davantage, c'est pareil. Genre, on a appris toutes les infos. Non, je pense. En fait, je pense que c'est juste par rapport aux photos qui sont buggées parce que c'est la bêta. Ça doit saucer un peu les trucs. Et du coup, ça reste en rouge, même s'il n'y a plus rien. Là, pareil, c'est des trucs où tu peux avoir des photos de Harrison et de Juliette. Là, c'est pareil, tu dois pouvoir sûrement avoir des photos. Nina est peut-être un surnom. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on sait que c'était pas une élève. Au moment où elle a rejoint le groupe Pensée. Ça avait été dit dans je sais plus quel commentaire.
Et il n'y a pas de raison que ce soit un mensonge de ce côté-là. Genre Harrison et Nina sont les deux seuls qui ont rejoint le groupe Pensée sans être élèves. Ouais, ça doit être par rapport à la photo aussi, du coup, parce que... Ah bah non. Ça l'a enlevé, là. Alors, attends. La non-liberté... Bon, y a rien de spécial en plus, là. Goldfell. Ouais, c'est la photo. Mais la photo, je l'ai... Non, mais je l'avais déjà, celle-là, je pense, en plus. Attends. Ouais, je l'avais déjà, celle-là. Utilisateur Hancock. Ouais, ça c'est pareil, c'est pour la photo. Lutter contre l'indifférence. Oh, j'ai accès à un des articles de Nina. Alors attention, on va regarder ça. Publié en décembre 2015. L'indifférence envers nos propres droits est une ennemie bien plus dangereuse que le gouvernement, lorsqu'il faut vaincre les lois de surveillance qui détruisent notre intimité. On est en guerre contre notre propre gouvernement. La déclaration de guerre est la loi sécurité dont la seule avancée est de renforcer la prise que le parti a sur nous. Avec cette loi, tous les citoyens de ce pays se font avoir. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent, et ils se fichent du fait que leurs droits leur sont arrachés. Pourquoi s'embêter quand on a rien à cacher ? Et leur excuse par défaut. Ils se sentent en sécurité dans leur maison confortable, tandis que le gouvernement leur met des muselières, prêt à appuyer sur la gâchette à chaque seconde. Lors de notre attaque sur la galerie bondée de The Circle à Bonneton hier, les premiers coups envers l'indifférence qui se tapit dans la masse ont été tirés. Mais ce n'était qu'un avertissement, un rappel amical qu'il est temps de prendre parti dans ce conflit. Nous ne pouvons pas tolérer l'indifférence. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Si vous n'êtes pas avec nous sur ce coup-là, vous êtes contre nous. Attaque sur la galerie bondée de The Circle. C'était une manifestation, hein. Donc en fait, ce qu'elle appelle une attaque, c'est une manifestation. C'est une drôle de manière de dire les choses, mais c'était bien une espèce de métaphore à la con qui est un peu ambiguë, quoi. Mais en tout cas, ça correspondait au lieu de la bombe. Mais ça correspondait encore une fois au lieu de la bombe parce que le mode opératoire... du ou des terroristes, c'est de poser des bombes aux endroits où il y a eu des manifestations organisées par le groupe Pensée. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec cette femme, encore une fois. C'est peut-être un hasard, mais le mot attaque, en fait, était juste très certainement une grosse métaphore de cul, en fait. Une attaque hier. Non, mais regarde, publié en décembre 2015. On est en avril 2017. C'est un vieil article, ça. Donc tu vois ce que je veux dire. Après, vous avez soupçonné ça à mort et vous m'avez dit de relever le truc où il y avait marqué « attaque » quand on a eu un choix. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça nous a mené en tout cas sur la bonne piste. Mais ça n'a peut-être rien à voir. Mais non, mais Benjamin, en 2015, bordel. Publié en décembre 2015, et la manifestation, elle a eu lieu avant ça. On est le 15 avril 2017, la bombe a été découverte hier, le 14 avril 2017. Tu vas pas me dire que la bombe allait rester pendant 2 ans. Alors, les commentaires, si je me souviens bien... Oui, ils sont dans l'ordre chronologique sur ce blog. Donc, Goldfeld, le 16 décembre 2015, à 17h30. Honnêtement, j'étais sous le choc quand j'ai entendu ce qui s'était passé dans la galerie. La façon dont tu as incité la foule à menacer directement aux visiteurs m'a particulièrement secoué. Et ton poste me fait d'autant plus peur. Je suis d'accord, tu le sais, à propos de l'indifférence des gens. Il s'agit de la racine du problème. Nous en avons discuté à de nombreuses reprises.
mais nous devons attirer leur attention prudemment, via des événements intéressants et remarquables. Nous devons les pousser à réfléchir. Les effrayer à mort engendrera l'exact opposé. Donc en fait, il y a quand même, quand tu parles d'attaque, c'est quand même à moitié vrai au final sa manifestation, si on regarde, si on en croit ce commentaire, parce que ça voudrait dire que la meuf, elle a fait preuve de menace, elle a incité la foule à menacer les visiteurs. Donc elle est quand même vachement violente. Hein. C'est une anti-gouvernementale violente. Donc inquiète, a écrit le, donc Nina du coup, a écrit le 16 décembre 2015 à 20h05. Effrayer les gens permet de les convaincre, Abe. Les gens ne s'intéressent qu'à ceux qui représentent une menace immédiate envers eux ou leur mode de vie. C'est toi qui l'as dit. La surveillance est un sujet trop abstrait, trop lointain pour être compris. Ils ne ressentent pas le danger. Alors je les aide à le voir. C'est aussi simple que ça. Elle est quand même très très violente. Goldfeld, le 17 décembre 2015 à 5h17. Suivons ton raisonnement pendant un moment. Alors, qu'as-tu accompli? Tu as bouleversé des passants innocents à une période déjà très troublée. C'est exactement pour cette raison qu'ils sont si effrayés et cherchent la sécurité à tout prix. Tu viens de leur prouver que le gouvernement avait raison. La violence ne doit pas être la clé et penser ne représentera pas cette idée. J'aime pas du tout ça, menacer des gens pour obtenir quelque chose. Non mais bien sûr, c'est complètement débile. C'est les putains d'extrémistes que tu peux voir dans certaines manifestations qui vont tout péter partout. C'est n'importe quoi. Ça décrédibilise leur cause en plus au passage. Et encore, je dis ça, mais dans le lot, parfois c'est juste des casseurs random qui ont envie de s'amuser. Hein. Parfois ça a rien à voir avec les manifestants de base. Inquiète, écrit le 17 décembre 2015 à 21h41. De la violence? Il n'y a pas eu de violence. Personne n'a été blessé. Apeuré, tout au plus. Franchement, ce n'était probablement pas suffisant. C'était pas suffisant, tu vois? Personne n'a été blessé, c'était pas suffisant. Donc il faudrait les blesser, c'est ça qu'elle veut dire? On a parlé de nous dans la presse locale. Mais le gros poisson, qu'est le TNB, n'a pas mordu. Donc le journal. Ce n'était rien du tout. Comment allons-nous atteindre le grand public, la reconsidération que tu voulais, si tu refuses de nous laisser agir? Ou payé par le gouvernement? Ça, je sais pas. Après, ça, on rentre dans la théorie du complot, Benjamin, mais ça, c'est encore autre chose. Après, les théories du complot, c'est souvent à prendre avec des pincettes, donc je ne saurais dire. Hancock, écrit le 17 décembre 2015 à 23h23. Mesdames et messieurs... Non, il n'a pas dit mesdames et messieurs, il est mesdames, messieurs. Calmement, attention. Je rajoute des mots des fois, ouais. Est-ce qu'on peut se calmer un peu? Abe, tu as totalement raison, on a foutu la merde. On s'est un peu laissé emporter par l'euphorie d'avoir enfin fait passer un message. On n'a pas réfléchi sur le coup. Ça n'arrivera plus. Il est plus raisonnable qu'il en a l'air, le Hancock, hein, quand même, des fois. Donc, Hancock qui est Harrison. Inquiète, le 18 décembre 2015. L'anniversaire de mon frère. Enfin, je crois que c'est le 18. Ou le 19. Ça doit être le 18. Mais j'ai un doute. Enfin, bref. À 23h46. Merci de me poignarder dans le dos quand j'avais besoin de toi, Harry. Goldfed, le 19 décembre 2015 à 5h25. Ce n'est pas le bon endroit pour une discussion de cette ampleur. Nous en parlerons lors de notre prochaine réunion. Ah bah non! Ah bah non! C'était une mine d'informations! Putain! Bon, je pense qu'il va falloir relever tout ça. Donc on sait que... Hop, on va aller sur le bon profil. Nina voulait effrayer les visiteurs pendant la manifestation de la galerie The Circle. Faire peur aux gens pour faire passer un message? Vraiment? C'est ça la fonction de pensée? Bah apparemment, de base, non.
Ok, donc ça c'est la même chose en fait. Donc Abraham condamne la violence. Ok, il a rien à dire le gars. Donc là, ça a confirmé la violence du coup. Hancock. Harrison O'Donnell, désolé à propos des événements passés à The Circle. Donc il a eu des regrets hein, apparemment, donc faut le noter. Faut le noter. C'est en sa faveur. Ah, ensuite ils se montrent intelligents et regrettent leurs actes, c'est toujours pareil. Ouais mais faut le noter. Des fois t'as des gens hein, qui ont aucun regret. Et quelque chose me dit que cette meuf... elle n'aura aucun regret. Et on a son profil Utel, qui est un logiciel de messagerie dans cet univers. Une espèce d'équivalent à Messenger, slash WhatsApp, slash Line, slash tout ce que tu veux. Donc du coup, je vais pouvoir avoir accès, grâce à ça, pour ceux qui débarquent. Le fait que j'ai trouvé son pseudo, ça va me permettre d'espionner ses conversations. Et ça, c'est très utile. Surtout que là, je dois pas avoir d'informations supplémentaires. Donc ouais, il va falloir que j'aille regarder dans l'auditeur ce qui se passe. Tuck. Merde. Ah, il a répondu à l'email déjà, puis il y aura un chat en plus. Donc Harrison qui répond à sa copine... Symes n'a pas de conscience morale. Ouais, ouais, il est un petit peu extrémiste aussi dans son truc, ouais. L'extrémisme, que ça aille dans un sens ou dans l'autre, c'est mauvais, de toute façon. C'est jamais bon. Salut ma belle. Tu as totalement raison. Bordel, cette soirée était vraiment géniale. Et bien sûr que je te récupère ce soir. J'aime bien ce plus dont tu parles. Et je crois que j'en ai besoin. Donc là, ça parlait de cul. Donc il va se faire sucer la bite. Mais je préfère qu'on aille ailleurs que chez moi ce soir. Il cache peut-être quelque chose, hein. C'est bizarre. Quand même. C'est peut-être vraiment une meuf. Non, je sais pas. En tout cas, apparemment, ça fait combien de temps déjà qu'ils sont ensemble ? Ça fait des années qu'ils se connaissent. Elle a jamais été chez lui. Mon appart n'est pas digne d'une dame de ton genre. Pas d'amante planquée, juste des restes de repas et de la lessive. Et surtout, pas de Juliette. Et j'ai pas eu de nouvelles de cette conne depuis des mois. Bon, mensonge, tu lui as parlé hier au téléphone. J'ai plus rien à lui dire parce que je suis avec toi maintenant, ma Marca. Promis juré. Et Nina ? La nana qui se met en colère et pète les plombs pour tout et n'importe quoi ? Laisse-moi rire. C'était ma partenaire de crime avant, pour ainsi dire. Mais c'est tout. Allez, ce soir à 8h pile, ma puce. Je t'embrasse. H. Alors. Harrison O'Donnell prévoit de rester loin de son domicile samedi. Information importante si jamais on a besoin de le choper. Ouais, ça va nous permettre de savoir, enfin de noter qu'il est en couple avec une dénommée Marca. Ça confirme que Juliette est son ex, mais on le savait déjà. Hop. Et on a un truc par rapport à Nina qui est intéressant aussi. Nina est capable de péter les plombs. Donc ouais, elle a tendance à partir en couille apparemment. Comportement extrêmement violent. Ah, attends, il est en retard. Ok, d'accord, bizarre. Juliette et Harrison étaient ensemble. Ça, c'est nouveau. J'imagine que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça a l'air d'être terminé. Non, mais c'est pas nouveau. What the fuck? Je pense que c'est un bug. Je devrais... si j'avais pas eu l'information avant, mais... La colère lui fait parfois perdre le contrôle. Intéressant. Cherche la raison derrière ce comportement.
Oui. Et donc, c'était ma partenaire de crime. Alors, ça, par contre, c'est juste une expression. Ça veut pas dire qu'il est... Parce que là, si je le relève pour le gouvernement va croire qu'ils ont commis des crimes directement, alors que c'est une expression qui est complètement anodine. Donc, je pense qu'il faut pas le relever, ça. Harrison, c'est un petit peu un enculé, comme on dit. Comme on dit chez nous. En toute amitié, hein. Et on a un chat sur Utel qui vient d'être lancé par Nina, donc on va aller voir ça. Chat en direct. Salut Sissi. Coucou Nina. Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Yep, ne t'en fais pas, on s'éclate. Merci d'être là, même si on est samedi. Pas de problème. Comment tu te sens? Toujours mal. Nina, je n'aime pas dire ça, alors ne m'en tiens pas rigueur, ok? Je vais bien. Non, c'est faux. Tu m'inquiètes. Tu as toujours l'air si triste. Pas de quoi s'inquiéter. Du nouveau côté cœur? Non. Seulement les idiots du site Singular que tu as recommandé, Sissi. Je sais pas comment t'as réussi à trouver John parmi tant de merde. Je vais supprimer le compte. Ouais, 99% sont des idiots, mais tiens bon. Quelqu'un viendra te sauver. Non merci, je peux me sauver toute seule. Je dois travailler. Je dois aller travailler. Merci encore Sylvie. On s'appelle plus tard. A plus ma belle, et courage. Ok. Alors, nous avons... Alors ça c'est bugué, c'est pas bien mis, surligné, mais en tout cas, on peut quand même, heureusement. On sait qu'elle est souvent triste, donc atteinte de dépression probablement. Putain, et ça bug un peu, voilà. Il faudrait peut-être trouver pourquoi. Ouais, bah. Et ça c'est intéressant, donc on sait qu'elle est célibataire, qu'elle est en contact avec quelqu'un qui s'appelle Sissi. Bon, Sylvie du coup. Donc on va pouvoir ajouter un profil pour Sylvie. Et qu'elle a un compte sur Singular, qui est une espèce de mythique, un site de rencontre à la con. On avait repéré un petit peu la pub, j'en avais pas parlé, mais vous avez peut-être remarqué que sur le côté, des fois en banderole, en pub, il y avait des pubs sur ce site. Et du coup, on va pouvoir essayer de trouver son profil sur ce site. Singular, vos singularités sont faites pour être aimées. Allez vers votre profil. Ok, bah, elle a juste inquiète en pseudo. Ah, ça, c'est pas emmerdé en fait, elle a gardé le même pseudo. Bon, on va voir un petit peu son profil. Bonjour inquiète, nous sommes ravis de vous revoir. C'est une belle journée pour trouver l'amour. Voici votre profil public. Tout ce que vous entrez ici est visible par n'importe quel visiteur. Alors déjà, on a enfin une photo de cette meuf. C'est une blonde. On va prendre sa photo. Hop. On sait qu'elle habite dans la zone de Bonton, Farview. On sait qu'elle est née en octobre 85. On sait qu'elle cherche des hommes. On sait qu'elle est hétéro. Entre 35 et 45 ans. Qu'elle s'est inscrite en juin 2014. Et que sa dernière connexion date du 4 avril 2017. On sait qu'elle mesure 1m85, qu'elle est athlétique, qu'elle mange de tout, qu'elle ne boit pas, qu'elle ne fume pas, qu'elle ne se drogue pas. Elle aime les randonnées, l'escalade, la cuisine asiatique, les Beatles. Elle n'aime pas les costumes, la plupart des films, les dîners aux chandelles. N'essayez même pas. Ok, carrément. À propos de moi, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez envie d'apprendre à me connaître, dites-le. C'est franchement pas un profil qui donne envie en vrai. Et là on voit des profils récents, des profils de visiteurs récents. On peut pas aller dessus? Non. On va noter ces infos là déjà.
pas sûr que ce soit très utile. Bon, écoute... on sait jamais, hein. Si à un moment donné, on doit l'espionner en essayant de la séduire, eh ben, on sait qu'il faudra utiliser un homme entre 35 et 45 ans. Moi, je dis, y a un coup à jouer. Nous emmerde pas, Symes. Elle fait 1m85. Elle est athlétique. Elle aime les randonnées, l'escalade, la cuisine asiatique et les Beatles. Tout est utile, exactement. Elle n'aime pas les hommes en costume, la plupart des films et les dîners aux chandelles. C'est quoi ton problème avec les costumes, hein? Le mec qui rage, quoi. Le mec qui se sent... qui se sent visé à mort. Vos opinions. Vos opinions nous aident à identifier des matchs potentiels. Vos réponses sont privées et seront utilisées uniquement dans le but de calculer le taux de compatibilité. Voici vos réponses pour l'instant. Que recherchez-vous chez un éventuel partenaire? Alors, elle cherche de l'amour sincère, de l'honnêteté, la fidélité, la sociabilité, la communication et l'humour à sans branle. Elle veut de la stabilité financière, le consentement et l'ouverture d'esprit, elle s'en branle. L'indépendance, elle veut de l'indépendance. Et elle se branle aussi de la relation occasionnelle. Ok. C'est bizarre quand même une meuf qui cherche pas la fidélité chez son partenaire, mais... Écoute. Donc elle recherche une stabilité financière, on verra si on le note après. Combien de temps souhaitez-vous être en couple? Elle cherche à être en couple pendant quelques années. Pas pour toujours, pas un an, pas quelques mois, ni de relations courtes. Accepteriez-vous que votre partenaire voit d'autres personnes? Oui. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Donc elle est libertine en fait, elle s'en fout. Envisageriez-vous de sortir avec quelqu'un qui n'aime pas ou ne veut pas d'enfants? Non. Par contre, elle veut un mec qui veut quand même des enfants. Où aimez-vous aller en vacances? La mer et la montagne. Vous intéressez-vous à la politique? Pas mal. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Préférez-vous les chiens ou les chats? Chiens. Si vous retournez un gant de main gauche, il ira à la main droite. C'est quoi cette question? Ouais, je pense que c'est ça que j'aurais demandé, parce que c'est complètement con, mais... What the fuck? Bon. Tant que c'est de l'amour sincère entre nous... Ouais, non, mais après, voilà, c'est une mentalité que certaines personnes ont, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, c'est pas pour moi, clairement, mais... Mais il y a des gens à qui ça convient parfaitement, puis s'ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. Tout le monde a besoin d'un peu de fiabilité dans sa vie, non? Est-ce qu'elle lutte pour trouver sa propre stabilité? Y a-t-il une raison à ce désir de stabilité? Ça, j'en sais rien, Symes. On peut pas en interpréter grand-chose pour le moment. On sait qu'elle s'intéresse pas mal à la politique, donc... bon, ça on s'en doute un petit peu, mais voilà. Jacques Lyon serait content de l'apprendre. Ah bah ouais, Jacques Lyon, c'est bon, là, il est tombé amoureux de Nina direct. Au final, ce qui est important, c'est ce degré d'intérêt. Et dans quel but? Vos conversations. Ah ouais, je vais pouvoir espionner ces conversations. La conversation a été lancée par Prétendant 80, compatible à 34%. Donc Prétendant 80, tu lui dis, avec une orthographe bien dégueulasse, « Salut, j'ai vu ta photo de profil, t'as l'air plutôt sympa. » Ouais, bof. Franchement, elle a pas l'air sympa, mais...
Je me demandais si t'avais plus de photos de ce genre. Si oui, dis-le-moi. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Elle a fermé la conversation directe, elle a pas répondu. Je peux voir que 3 conversations, malheureusement. Super Randy. Lancé par Super Randy, compatible à 68%. Predator 81, c'est ça en fait. Salut blondinette. Oh putain. Déjà, allez voir une meuf sur un site de rencontre et commencer la phrase par salut blondinette. Je sais pas, hein. J'essaie de me mettre à la place de la meuf, mais je sais pas si je le prendrais bien. Bon, bref. Je suis tombé sur ton profil et j'étais sidéré par ton incroyable beauté. Oh là 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 là. Oh le gros relou. Il fallait que je t'écrive. Je me demandais si tu voulais donner un peu de ton temps pour sortir avec un cœur solitaire comme moi. On pourrait aller boire un verre chez Franck, tu dois le connaître vu que tu es aussi de bonne tonne. Ce week-end, ça tirait ? Putain, oui, bah voilà, elle a répondu, elle a tiqué là-dessus. Blondinette ? Sérieusement ? Personne ne m'a jamais appelé comme ça, et je suis une enfant des années 80. Échec critique, non mais carrément. Carrément. Super ! Moi aussi ! Alors quand est-ce qu'on se voit ? Putain, mais c'est un bot ou quoi ? Il répond à côté, le gars. Jamais. Boum. Je comprends mieux pourquoi t'es célibataire à 30 ans. Sale garce arrogante. Bravo, bravo, quoi. Il a besoin d'une pécho-thérapie. Ah oh bah là, c'est sûr. En plus, avec son vieux look à la moustache dégueulasse et tout, là. Le mec, il dit, je comprends mieux pourquoi t'es célibataire à 30 ans, mais toi, t'es pas célibataire à 30 ans, parce que t'as l'air d'avoir la trentaine aussi. Oh my god. Là, il y a un profil compatible à 87%. Sam le sage, alors. Salut, inquiète. Je viens de lire ton profil captivant et j'ai très envie d'avoir plus d'infos. Alors, il est pas captivant, son profil. Calme-toi. C'est de la merde, son profil. Elle a rien foutu dedans. Alors, je suis là et je demande comment tu le souhaites. Ouais, parce que oui, elle a demandé à en savoir plus sur son profil. C'est tout ce qu'elle dit, en fait. Si tu as une aversion pour les films et les dîners aux chandelles, les mecs auront sûrement du mal à sortir avec toi. Du coup, je me demande, tu aimerais faire quoi pendant un premier rendez-vous hypothétique ? Bien sûr, je pourrais t'inviter au resto chinois du coin et abandonner le côté chandelle du dîner. Mais ça semble tout de même un peu brut. Resto chinois, le mec, il a bien vu qu'elle aimait la cuisine asiatique. Bravo, le gars. Un coup de main me serait utile. Tu veux bien t'en charger ? Ciao, Sam. Salut, Sam. Ça fait du bien de lire un message décent de temps à autre. Si on avait rendez-vous, tu pourrais m'inviter dans le resto chinois du coin, comme tu l'as dit. J'aime pas trop les rituels de rencard. Au fait, je m'appelle Molly Schwartz. Tu peux m'appeler Molly. Oh oh ! Benjamin aurait-il eu raison ? Aurait-on trouvé le vrai nom et le vrai prénom de Nina ? Ou est-ce que c'est un faux nom qu'elle utilise sur le site de rencontre ? C'est possible aussi. C'est possible aussi, parce que c'est quand même bizarre de donner son nom et son prénom sur un site de rencontre dès le deuxième message. Salut Molly. Oh génial, ça me va très bien. Parce que, et je ne plaisante pas, je n'aime pas trop ces trucs non plus. Mais c'est le cas de la plupart des mecs, je pense. Même si c'est agréable de temps en temps, surtout avec la femme qui nous plaît. D'ailleurs, j'espérais que tu pourrais me parler un peu de toi, de la personne derrière cette petite photo et tous ces blocs de données. Que fait Molly dans ta vie ? Dans la vie, pardon. Est-ce qu'elle vit seule ? Ou y a-t-il quelqu'un qui l'attend ? Est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle peut souvent faire de l'escalade ? Molly, un idiot te demande de l'abreuver de connaissances sur toi. Ne me laisse pas mourir de soif. Ciao, Sam. Il est plus doué... il est meilleur orateur que les deux précédents, clairement. Salut, Sam. T'es du genre théâtral, toi, pas vrai ? Bref, c'est parti. Je prends tous les jobs que je peux, c'est-à-dire je suis intérimaire.
J'espère que tu ne cherchais pas quelqu'un avec un métier prestigieux. Je vis dans un petit appartement au milieu d'une tonne de déchets industriels. T'es toujours là ? Eh non, je vis pas seul. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est un homme. Et il est très important pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai laissé tomber l'escalade, c'est lui. Alors, jaloux ? Ne t'en fais pas, je parle de mon fils Michael. Ha ! Ha ! Ah, qu'elle est drôle ! Ah, qu'elle est drôle ! Donc elle a un fils, très bien, elle est intérimaire, ça fait des informations intéressantes sur elle, on commence à en savoir plus. Molly Schwartz, déjà, c'est potentiellement son nom et son prénom. Molly Schwartz, elle utilise un faux nom, et il est très étrange en plus. Ah, Symes nous dit que c'est un faux nom, ok. Bon, j'ai soupçonné un petit peu le truc, mais j'étais pas certain de ça non plus, mais ok. Donc elle s'appellerait peut-être quand même Nina, mais elle utilise un faux nom, Molly Schwartz. Elle est intérimaire. Du coup, si on recherche Molly Schwartz intérimaire, on va peut-être trouver des choses. Ouais, il y a un document. Donc on ira voir ça après. Et elle a un fils qui s'appelle Michael. Une mère célibataire, la galesse de comment je l'ai dit. Pas le genre à s'impliquer dans les attaques terroristes. Une mère célibataire, Ça fait le mec en fait qui aime les mères célibataires, tu sais pas pourquoi, tu sais. Il reste combien de temps au timer là? Ouais, on a le temps de regarder un petit peu ceci. Donc un site intérimaire. Ok, je suis sur le profil de Molly Schwartz. Sur WorkEasy, site intérimaire, vous cherchez un boulot, du personnel intérimaire, dans les deux cas, vous êtes au bon endroit. Avec WorkEasy, vous avez accès à une base de données de plus 47 000 intérimaires fiables et environ 5 600 employeurs importants au bout de vos doigts. Par commodité et sécurité, nous offrons des paiements avec tiers de confiance. Nous connectons les intérimaires et employeurs de nombreux domaines. Réparation et entretien, vente, administration, service. Ok. Cool. Hop. Ok, voilà, je peux avoir accès à son profil un peu plus précis. Ah, ça montrait pas une vie. Je sais pas, mais en tout cas... elle a bien un profil Molly Schwartz dans une boîte intérimaire. Donc ça, déjà, ça au moins, c'est un fait qui est vérifié tout de suite. Je vais prendre... sa nouvelle photo en mode professionnel. Donc Schwartz Molly, intérimaire, satisfaction des employeurs 4,5 sur 5. Donc elle est bien notée. Hein. Peut offrir les prestations suivantes. Nettoyage, entretien, réparation mécanique, gardiennage, service client. Enregistré chez WorkEasy depuis novembre 2013. Niveau d'expérience, star de WorkEasy. 1202 jobs acceptés. 6899 heures service de nettoyage à domicile, 3223 heures de gardiennage, 2151 heures d'entretien et réparation, 5010 heures service client. Putain, elle est vachement bien leur site d'intérimaire, quoi. C'est genre comme sur Blablacar, tu sais, t'as les notes et tout, et le nombre d'heures et tout. Enfin, t'as pas les nombres d'heures sur Blablacar, mais le nombre d'heures, c'est quand même pas mal, parce que du coup, tu vois que la meuf, elle a un paquet d'expérience dans certains domaines. 6899 heures, ça commence à être massif. 1202 jobs acceptés, c'est massif aussi. Bon, après, il y a peut-être des missions qui ont duré genre 3 heures, tu sais. Mais voilà quoi. Supplément, peut travailler plus de 10 heures par jour, peut travailler la nuit, peut travailler le week-end, peut travailler pendant les fêtes. Prix 8$ de l'heure. Vous voulez embaucher Madame Schwartz, joignez-la par courrier 667 route de Bonton. 2X D3 Fairview. Alors c'est une adresse qui est marquée en jaune, donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un élément contradictoire avec ça. Ou par email sur dschwartz@mailreceiver.tna. Alors est-ce qu'elle aurait une fausse adresse? Une boîte postale, tu sais, comme on peut louer des boîtes postales des fois et tout.
Donc Nina a travaillé dans l'entretien, le gardiennage, la maintenance et le service client. Fait des heures supplémentaires pendant les week-ends. Et fêtes, etc. Nous aussi, on travaille le week-end. Et alors ? Bien entendu, c'est différent quand on est une mère célibataire. Ça ne doit pas être facile. Adresse email privée. Donc on va pouvoir avoir accès à ses mails. On va aller voir. Donc on garde ça, faut se rappeler de ça dans un coin de notre esprit. Et dans l'auditeur du coup. Ouais, j'ai accès au mail. Résultat de vos examens. Ah ! Attends, qu'est-ce qu'il nous dit ? Au moment où le Premier ministre s'en va, la météo empire. Ok, c'est sûrement de la merde. Donc mail d'une personne inconnue à Nina. Chère Madame Maternova, déjà, ça correspond pas à Molly Schwartz. Je vous écris de la part du Dr White. Lors de votre dernière visite chez nous, un échantillon de sang a été prélevé. Il a été envoyé au laboratoire de l'hôpital central de Bonton pour être examiné. Nous avons reçu les résultats. Date du rapport le 13 avril 2017. Identifiant de la patiente. Oh, un identifiant de patiente. On va pouvoir en savoir plus sur ses antécédents médicaux. 198-166-2254. Rapport. Nous n'avons rien trouvé d'alarmant. Toutes les valeurs sont dans la norme, voire plus ou moins idéales. Le docteur White m'a tout de même demandé de vous rappeler son conseil une fois encore. Bien à vous. Adélaïde Ferguson, assistante du docteur Gerald White. Madame Maternova. Donc elle s'appellerait Nina Maternova en fait. Et l'identifiant de la patiente, si ça veut bien se mettre. Hop. Et on aura peut-être sa vraie adresse du coup. Sauf si c'était la vraie adresse sur Molly Schwartz, je ne sais pas. Je pense que je vous le proposerai un sondage et vous verrez. Vous choisirez. Comme ça, ça va me permettre de clôturer la partie 6. Je vais regarder les actualités déjà. Vite surprise de Blaine qui annule une réunion pour se rendre à Triflit. Triflit, le Premier ministre annule une réunion de crise pour se rendre dans la capitale de la Parge. Il souhaite renouveler les négociations retardées entre Cassart et l'opposition. Le Premier ministre à gauche vient d'arriver à Triflit. Il a été accueilli avec les honneurs militaires au nom du président Cassart, à droite. Photo par presse. Bonton, Triflit. Ce samedi matin, le Premier ministre Blaine a pris tout le monde de court en changeant ses priorités. Alors qu'il devait rencontrer la ministre de la Sécurité, Catherine Delacroix, pour une réunion de crise autour des récents attentats de Bonton, le Premier ministre a décidé d'aller jouer les médiateurs pendant les négociations plus que difficiles entre le président Cassart et l'opposition. La réunion de crise a été retirée du site internet officiel du parti et Blaine s'est envolé avec l'armée de l'air de la nation vers Triflit, la capitale de la Parge. D'après le porte-parole du gouvernement, le Premier ministre a atterri à l'aéroport international de Triflit il y a environ une heure et a été immédiatement accueilli par le président Cassart avec les honneurs militaires. Ce seul acte a poussé l'opposition à mettre une fois de plus en doute l'impartialité du Premier ministre et a annoncé que Blaine ne serait pas accepté comme médiateur. Ok. Très bien, si vous le dites. Donc je vais aller lire. Le centre de données médicales entrée 3 Maternova Nina. Merde, il y a un appel téléphonique je crois là. C'est quoi ? Faut que je le lise. Faut que j'aille voir l'appel téléphonique. Il reste moins d'une minute avant que ça sonne. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'appel téléphonique. Je vais et on va regarder l'examen médical, enfin le dossier médical de Nina. Et on va, je mettrai le sondage pendant l'interlude entre les deux parties.
Alors. Bienvenue chez Rosen Technologies, vous appelez en dehors des heures de bureau, veuillez... Salut petite tounette. June ? Je suis trop contente de t'entendre. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai appelé. Il était temps qu'on se fasse une petite conversation annuelle entre sœurs, pas vrai ? Un peu, oui. Comment tu savais que je travaillais aujourd'hui ? Haha, tu travailles tout le temps. Désolé, j'ai oublié pendant une seconde que tu me connaissais vraiment. T'es stressé ? La hiérarchie t'embête ? Je peux rappeler plus tard. Non, non, c'est juste que traîner au bureau me donne une bonne excuse pour, tu sais, ne pas être à la maison. Je vois. Je comprends pas pourquoi tu es retourné vivre là-bas. Il fallait que je quitte mon appartement d'étudiante, tu le sais bien. Et toi, tu sais que c'est une excuse à la con. Tu gagnes bien ta vie chez Rosentech, pas vrai ? Tu pourrais louer un appart en ville. T'en as pas envie, c'est tout. Pff, je vois bien que tu n'es pas prêt de céder. Eh non, désolé. Ce début d'année était compliqué. Je ne supportais pas la solitude permanente. Je me sens bien mieux maintenant, mais maman et papa, ils sont tellement contents que je sois de retour. T'as pas envie de les décevoir, hein ? Ouais, je ne peux pas leur faire ça une nouvelle fois. Et moi qui pensais que Juliette avait enfin entamé le processus d'émancipation ? Eh, c'est ce que je fais ! Non, pas du tout. Tu laisses papa et maman te prendre la tête à nouveau, petite tounette. Tounette, c'est étrangement nostalgique de ta part de dire ça. Tu te souviens du jour où j'ai inventé ça pour toi ? Ouais, j'étais jalouse quand papa t'appelait Junette, alors qu'il ne m'avait pas donné de surnom. Et à juste titre, ne cède pas à papa. Pas sans te battre avant en tout cas, ok ? J'y compte bien, crois-moi. Coolos ! Bon, j'imagine que je dois te laisser travailler. Ouais, le bureau est vide, mais oui, ma to-do list est longue. Ok, on parlera plus tard. C'est moi qui t'appellerai. N'essaye surtout pas de me joindre. Je plaisante. June ? Yep. Merci de croire en moi. Oh, c'est quoi cette voix toute sérieuse ? C'est à ça que servent les grandes sœurs, non ? Sûrement. À plus tard, June. À plus tard, Tounette. Bon, ok, on va noter les saucisses. Donc, Tounette. Tounette, c'est un surnom de Juliette. Est-ce que ça nous servira ? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut bien ? Putain, j'arrive pas à le choper. Ça y est. Tounette ? C'est quoi ce surnom bizarre ? Ah, c'est compliqué, ça. June Carrington, c'est la sœur de Juliette Carrington. On le savait déjà, hein. On avait vu sur le site, mais bon. Sur le blog de la famille. Juliette Carrington travaille samedi. Attends. Non, c'est bon. Juliette Carrington a eu un début d'année 2017 compliqué. J'imagine que c'est parce qu'elle a mis fin à son couple. Possible. Juliette Carrington a des relations conflictuelles avec les parents. J'imagine que ça arrive parfois, même dans les familles les plus soudées. Et il n'y a rien de spécial d'autre à noter. Donc on va passer de nouveau voilà, au centre de données médicales. Donc, de Nina, le soignant Gerald White, docteur en médecine, Bonton. Date d'enregistrement, le 4 avril 2017. Nom de la patiente, Maternova Nina. Numéro de la patiente, 198-166-2254. Sexe, femme. Date de naissance, le 7 octobre 1985. Nous avons sa date de naissance précise. On savait juste que c'était en octobre à la base. Putain, mais... Putain, ça bug. Chier. Voilà. Donc là, on a une adresse. Je vais lire
La patiente se plaint de douleurs dans la cuisse gauche et les hauts de la jambe. Elle décrit une douleur vive, brûlante, parfois foudroyante. La jambe peut sembler engourdie. Les symptômes surviennent quand la jambe est tendue et disparaît uniquement lorsque la patiente s'assoit ou s'allonge. Les symptômes se sont déclarés il y a 9 jours. Addendum. J'ai évoqué la blessure guérie sur le haut de la jambe gauche de la patiente puisqu'aucun dossier médical n'existe dans la base de données. Elle a donné des réponses évasives et floues quant à l'origine de la blessure. Examen médical. L'examen visuel a révélé une cicatrice sur la partie supérieure latérale de la jambe gauche et une palpation de la jambe dévoile une sensibilité sous faible pression. Les rayons X ont montré une ancienne blessure profonde en haut de la jambe gauche, dans le fémur. Un prélèvement sanguin a été envoyé au CHB. Diagnostic, la douleur vient probablement d'une blessure antérieure à la jambe, qui comprime ou endommage le nerf cutané latéral de la cuisse. Les symptômes sont similaires à ceux de la méralgie paresthésique. Ordonnance, un arrêt maladie et un repos absolu jusqu'en fin avril 2017 ont été suggérés. Nous avons chaudement recommandé à la patiente de s'appuyer sur l'autre jambe autant que possible pour éviter de nouvelles complications. Du spiron 400 mg a été prescrit avec la posologie suivante, à prendre 2 fois par jour après les repas. Nous avons conseillé à la patiente de revenir en l'absence d'amélioration sous 14 jours. Bon. Ok, donc là il y a une info en jaune, avec une potentielle contradiction, est en arrêt maladie avec ordre de repos absolu jusque fin avril 2017. Donc elle aurait un arrêt maladie. Donc, c'est le moment de vous mettre le sondage. Donc je vais clôturer la partie 6 et je vais vous mettre le sondage en même temps. Est-ce que vous pensez qu'elle a donné sa bonne adresse au médecin ou à la boîte d'intérim? Ça va être la question.